Fabio, camarade. T'es à l'aise? Est-ce qu'on est heureux là d'être là? De notre position? Bah oui et non. J'ai l'impression que vu ta coiffure, tu t'es pas mal gratté la tête. J'ai beaucoup, beaucoup gratté la tête. Et ça, c'est parce que d'un côté, on a réussi notre pari. On voulait être le bateau le plus sud initialement. Et ça, chez Lady River, ça on a fait. Regardons notre logiciel de navigation. Nous, on est là. Et du coup, le bateau le plus proche, c'est Manu Cousin sur Coup de Pouce. Et ensuite, on a Violette sur Divinir. Et ensuite, 80 000 derrière, on a le reste de la flotte. Mais vous voyez qu'ils sont en train de faire une option vers l'ouest et nous, on y va vers le sud. Donc, bien investi dans le sud. Mais Conrad, mais pourquoi est-ce qu'on fait du sud? Je suis en train de poser quelques questions parce que la situation est vraiment pas simple. Notamment, regardez ça. Il y a une option sud qui descend comme ça et il y a une option nord qui monte comme ça. Et notamment, ça c'est parce qu'il y a un gros système anticyclonique ici et c'est très très difficile à passer. Donc ce que nous on est en train de imaginer de faire, c'est de passer le petit coin ici avant de descendre à travers les îles de Canaries et ensuite faire le sud jusqu'au Martinique. Et l'autre option, c'est beaucoup plus engagé. L'option nord, il part avec l'idée de faire du travers et de portant du travers et du pré jusqu'ici, jusqu'au rendez-vous avec une très très grosse dépression qui est sacrément méchant avant de descendre jusqu'ici. Et du coup, qu'est-ce que tu peux faire, Fabio? L'avantage de la route nord, c'est qu'elle est plus courte et du coup, elle donne vraiment envie d'y aller. Ouais. Maintenant, la route sud, elle est plus longue, mais elle est aussi plus praticable et malheureusement, vu notre position, c'est un peu la question de savoir si soit on protège notre gain dans le sud, voilà, ou est-ce qu'on va jouer et essayer de marquer les autres, sachant qu'on va perdre un peu au départ de cette option sur eux. Donc, difficile. En gros, l'option nord, c'est beaucoup plus engagé, avec beaucoup plus de risques de casse et aussi pas mal d'incertitudes par rapport à la fin. Ou sinon, on va investir dans le sud. Prendre la peine un peu initialement et ensuite la situation va être beaucoup plus stable et fiable pour la suite. Donc, et tout ça, c'est comme au bac, on a 4 heures pour prendre notre décision parce que dans 4 heures, il faut absolument qu'on ait choisi telle ou option. Quoi. Ouais. Du coup, on a un devoir sur 2-4 heures sur table.